Bonjour, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo journalière, notre rendez-vous journalier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien, que la santé ça va et que vous passez relativement bien ce temps dans vos maisons confinées en espérant que ça ne soit pas trop difficile, assez supportable, et j'espère aussi qu'avec mes vidéos, je vous aide à un petit peu, du moins comme je le peux, à passer un petit peu de bon temps comme ça dans vos longues journées. Je tiens à vous rappeler que Linda et moi, on pense beaucoup à vous. On s'inquiète, on se fait du souci, on voit tout ce qui se passe, on suit les informations à la télévision. On pense à vous, et puis on a aussi beaucoup de familles en France, beaucoup d'amis et de familles, de connaissances là-bas. Alors c'est sûr que on s'inquiète, voilà. Donc j'espère que tout va bien. Nous ici ça va très bien. Écoutez, c'est sûr il y a aussi le coronavirus, mais ça va. Et c'est pas pour l'instant, on est comme en retard sur vous de plusieurs semaines, voire peut-être un ou deux mois même. Ça commence à peine, on va dire, et puis le confinement n'est pas obligatoire, mais les gens restent chez eux, donc ça va ralentir certainement la propagation du virus. Et là, nous sommes samedi, donc on est samedi le 28 mars, il fait encore à peu près beau, il fait frais par contre, c'est assez frais là, je n'ai pas regardé la température, je ne sais pas, on doit être près de 0 degré, je vois que ça ne fond pas. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de... la neige ne fond pas encore, mais ça va fondre parce qu'il va faire plus chaud aujourd'hui dans la journée. Puis, c'est de la pluie qui est prévue demain, dimanche, toute la journée, de la pluie jusqu'à lundi même un petit peu. Donc, faut profiter de prendre l'air. Aujourd'hui, hier, on était ici sur la terrasse. On est sur le patio en arrière de la maison. En plein soleil, à siroter une petite bière. On se serait cru au printemps, il faisait 8 degrés. On va dire annoncé à la météo, donc en plein soleil, on était vraiment bien, on se sentait comme à 15 degrés, vraiment une belle température de printemps. Là, aujourd'hui, c'est pas mal plus frais. Alors, c'est ça, on est dehors, donc exceptionnellement, d'habitude quand je suis dans l'atelier, que vous me voyez dans mon atelier, mon studio, il est au sous-sol de la maison, dans une pièce qui normalement est une chambre, parce qu'en bas de la maison on a ce qu'on appelle un bachelor, c'est un appartement complet avec salon, salle de bain, cuisine, une chambre, une grande chambre et une pièce de débarras. Alors ça va très bien pour moi, donc la grande chambre c'est devenu mon studio, et la grande pièce de débarras, c'est là où j'ai rangé pas mal tout le matériel de peinture et même de vidéo, de tournage, tout ça. Donc, j'ai beaucoup d'espace. Voilà, puis j'encombre aussi un petit peu la cuisine, mais voilà. Donc, on est très bien installé. Alors, au Québec, les sous-sols des maisons sont habitables. Ce sont des pièces de vie normales. Il y a des pièces au rez-de-chaussée, puis il y a des pièces au sous-sol qui sont des demi-sous-sols. Il y a des fenêtres. Vous voyez, c'est pas complètement comme une cave. Alors, en France, les sous-sols sont plutôt des caves. Normalement, on y met des bicyclettes, des vélos moteurs, du vin, des choses dont on se sert peu. Donc ici au Québec, ces caves-là, on va appeler ça une remise, un locker. Voilà, c'est un locker, on appelle ça ici au Québec, au sous-sol. Finalement, et ce sont les caves en France. Vous voyez, c'est vraiment différent la façon dont sont faites les maisons. La matière de construction ici, c'est généralement une structure en bois. Alors à l'extérieur, ça va être une isolation importante, très importante, puis un parement, quelque chose qui va faire que c'est beau. Ça va être, sur l'isolation, il y a encore du bois, puis après ils vont mettre le parement dessus, donc ça va être soit de la brique, soit, comme nous ici, c'est des lamelles de vinyle, ça peut être du bois, ça peut être du cèdre, ça peut être de la pierre, du crépi aussi. Mais c'est vraiment des maisons donc en construction légère. Et puis à l'intérieur, eh bien, après l'isolation, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le gypse ici. En France, on appelle ça le placoplâtre. Ce sont des plaques de placoplâtre. Et puis, tout est construit en bois. Et les cloisons sont en bois ou en aluminium. Là, des montants de bois ou d'aluminium qui sont recouverts de placoplâtre, donc de gypse. C'est ça, les planchers des maisons, c'est en bois, recouvert ensuite d'un
d'un revêtement de sol, ça peut être du, alors de, des carreaux de céramique, de, ici on appelle ça de la tuile, ça peut être du lino, ça peut être du, de, on appelle ça de la tuile de vinyle en France, des dalles de plastique autocollant ou collante. Tu sais, vraiment c'est très 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 différent. Il y a du bois aussi, beaucoup de bois, et du tapis, donc de la moquette. Les maisons sont donc moins durables ici au Québec par rapport à la France, où elles vont être construites en parpaing ou en briques de construction pour les murs, puis après ça va être recouvert d'un enduit à l'extérieur, isolé, puis après ça il y a le placoplâtre à l'intérieur, tout ça, mais c'est vraiment très spécial. Faut avoir connu les deux, faut voir les deux pour comprendre ces différences-là. Et puis, quand on vient de France, comme moi, lorsque j'ai immigré ici en 98, c'est sûr qu'on est très dépaysé, tout est tellement différent qu'on est toujours en train de comparer. Ah ben ça c'est comme ça ici, ah ben en France c'était comme ça. Puis on dit, tu vois, ben en France c'était comme ça, en France c'était comme ça. Puis même les Québécois, ça les énerve un peu, puis c'est tout à fait normal. Ben, si t'aimais ça comme c'était en France, retourne-y. Mais au bout d'un moment, comme moi, il y a des fois où il y a des choses que je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Ça c'était en France comme ça ou c'est ici, tu sais, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps qu'on est vraiment, après on est ancré ici, on a pris la culture d'ici, on se sent vraiment bien, mais il y a des personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres. Moi, je vous le dis, ça a été facile pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça ici, donc j'ai aucun problème d'adaptation. J'ai été très rapidement, beaucoup, beaucoup dans mon travail, en contact avec les gens, avec le public. Donc, j'ai été adopté facilement, et puis les Québécois sont des gens merveilleux. La culture est différente, mais c'est des gens merveilleux. On vit très très bien ici, et j'aime bien ça. J'adore ça d'ailleurs. Ma femme est québécoise. Voilà, alors, donc ça c'était un petit peu la petite chronique biographique. Maintenant, je vais vous répondre à des questions. Demain, c'est dimanche, donc il pleut, je ne serai pas dehors, je resterai dedans. Je vous montrerai peut-être un petit peu d'étoiles à nouveau, répondre à des questions, vous montrer des peintures et donner des renseignements sur les techniques utilisées pour ces peintures, un peu comme je l'ai fait avec les roses hier. Alors, là, c'est Linda qui m'a imprimé ces deux pages-là. Et j'ai pas lu ce qu'elle a imprimé, mais j'avais lu toutes les questions qui avaient été posées. Puis je me suis dit, ah oui, ça c'est intéressant, tout ça. Mais j'ai tout lu, mais je sais pas, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a imprimé. Alors je vais découvrir en même temps que vous. Michel, qui dit, ouf, quel tableau suis tombé en amour avec, voici ma question. Donc on parle des roses qui étaient derrière moi hier. Pour faire du glacis en acrylique, doit-on prendre du liquin aussi? En a-t-il pour l'acrylique? Alors non. Le liquin, c'est vraiment juste pour la peinture à l'huile. Pour la peinture acrylique, il existe un médium à glacis pour la peinture acrylique. Et donc, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voyez. Donc, la réponse est claire, nette et courte. Le liquin, c'est vraiment que pour la peinture à l'huile. Maurice qui dit, j'ai vu cette vidéo dont je parlais hier, d'une vidéo avec deux couleurs, vert plus rouge. La personne fait un portrait avec du vert, du rouge et du blanc. J'ai vu ça sur YouTube. Il me dit, rouge plus vert égale rouge plus bleu plus jaune. Effectivement, le vert c'est du bleu et du jaune. Donc on se retrouve avec l'équivalent des trois couleurs primaires. Si j'utilise du rouge et du vert, ben, le vert c'est comme si c'était bleu et jaune. Donc on se retrouve avec l'équivalent des trois couleurs primaires, sauf que le jaune et bleu ne seront jamais dissociés. Donc, je ne pourrais jamais faire du violet. Parce qu'avec le rouge et le bleu, je peux faire du violet. Mais pas avec le rouge et le vert, ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, ça limite quand même. Donc, non, ça n'est pas pareil, Maurice, que si j'avais les trois couleurs primaires. Mais le fait d'avoir un rouge et un vert, vous savez qu'on va faire du noir avec, parce que ce sont deux complémentaires. Attention, le rouge utilisé, c'est un rouge cadmium. Et, mon Dieu, le vert, je ne me rappelle pas. Donc, le noir n'est jamais complètement noir, ça va être plutôt brunâtre. Isabelle.
J'oubliais, je sais que la question est toute relative, dépend de l'effet recherché, mais votre réponse pourrait cependant être un indicateur utile. Combien de couches de glacis avez-vous appliquées? Là, on parle de la peinture de la rose, des trois roses mauves. Combien de couches de glacis? Honnêtement, là, de mémoire, je ne me souviens pas, mais je vous dirais, c'est minimum 6 couches de glacis colorés. Je pense que j'en aurais plutôt mis 8, là. Voyez, mais ça peut aller facilement jusqu'à 10 ou plus. Mais faut savoir s'arrêter à un moment donné. Puis les dernières couches ne sont pas juste du glacis. Oui, c'est du glacis aussi, mais on va rééclaircir à nouveau. Donc les blancs sont un peu plus opaques. Hein. Donc je dirais, on va dire 8 couches pour ce tableau-là, à peu près, de glacis après avoir fait la détrempe en noir et blanc. Ensuite de ça, alors. Un abonné de la chaîne s'appelle Voyage sans passeport. Bonjour Voyage sans passeport. La peinture cobra à l'huile est mixable à l'eau. Qu'en pensez-vous, René? Oui, la peinture cobra, c'est une peinture à l'huile soluble à l'eau, hydrosoluble. Je les ai essayées. J'ai essayé la cobra, j'ai essayé l'artisan, je les ai mélangées, j'ai utilisé... Comme je l'ai dit hier, la peinture à l'huile traditionnelle mélangée au médium W gel de Schmincke. Schmincke. C'est ça, c'est Schmincke, la marque. Et c'est pas facile à dire. Hein. Et donc, voilà, j'ai fait des tests. La peinture hydrosoluble, donc la Cobra ou Artisan, s'utilise pareil que de la peinture à l'huile normale, sauf qu'on peut nettoyer les pinceaux à l'eau, on peut la diluer avec de l'eau au lieu d'utiliser du solvant. Donc là, on se sauve des odeurs et des vapeurs du solvant. C'est bien. On l'applique de la même manière, c'est la même viscosité, la même utilisation qu'une peinture à l'huile normale, pareil. Et le temps de séchage, c'est le même aussi. On va parler d'une semaine de séchage à peu près, selon les épaisseurs. Voilà. Tout simplement, et c'est ça. Et puis ça donne des bons effets, c'est des bonnes peintures, ce sont des peintures fines, ce n'est pas des gammes études, ce n'est pas des extra fines, ce sont des fines, donc ça va vraiment très très bien. Annick qui dit, je voulais savoir comment vous réalisez la détrempe. Vous utilisez un jus à la térébenthine et une autre couche avec médium ou pas avant les étapes des glacis? Et si un médium du liquin? Non, alors, lorsque je fais la détrempe, excusez, j'enlève mon fil de micro. Lorsque je fais la détrempe, j'utilise donc juste de la térébenthine. Moi, c'est plutôt du solvant sans odeur Taltine de Demco, mais c'est la même chose. En fait, ce que je veux, c'est juste que ma peinture soit un tout petit peu diluée pour avoir la consistance qu'il faut, pour m'assurer qu'elle sèche vite, en respectant donc quand même le gras sur maigre. Donc, il faut qu'elle soit maigre, voilà, il faut qu'elle soit maigre et qu'elle soit assez opaque, très opaque. Hein, c'est la peinture de couche de fond avant les glacis, c'est vraiment de l'opacité. Alors, je ne mets pas de liquin du tout à ce moment-là. Donc, juste du solvant ou térébenthine, pas de médium, rien du tout, c'est tout. Voilà. Le but, c'est que notre couche de fond, notre peinture en opacité, là, soit bien opaque, sèche assez vite. S'il le faut, on peut le faire en deux couches, ça aussi, hein, vraiment, de manière à obtenir notre détrempe, notre peinture parfaite, comme je l'ai dit hier, en noir et blanc, avant de commencer les couches de couleur en glacis. Elisabeth qui dit, j'aimerais bien une vidéo sur le lavis et le sfumato. C'est très beau, mais ça a l'air très compliqué aussi. Le lavis, contrairement au glacis, le lavis, c'est une peinture très diluée qu'on va mettre à la base. Bon, c'est ce que j'ai fait pour la Joconde un petit peu, c'est un lavis. Mais c'est un lavis quand même transparent, puisque j'avais mis du liquin aussi. Mais le liquin, c'était pour que ça sèche vite. Mais c'est ça un lavis, c'est très transparent, c'est très dilué. Puis on le met en dessous pour, on va dire, faire une sous-couche, pour teinter, pour faire un dessin, pour faire une base, avant de commencer vraiment à peindre. Hein, c'est ça le lavis. Donc on ne fait pas du sfumato avec le lavis encore. Le sfumato, je vais y répondre,
tout de suite, et ça répond, je pense, à une question qui a été posée plus loin, qu'on m'avait posée, je ne sais pas si c'est là ou si c'est sur des courriels, des emails peut-être. On me posait la question suivante, est-ce que le sfumato, c'est la, on va dire, c'est le résultat de juste l'application de plusieurs couches de glacis. Est-ce que c'est ça qui fait le sfumato? Non, l'application des couches de glacis, c'est du glacis. Mais pour faire du sfumato, on utilise des couches de glacis. Mais c'est additionné à un autre composant, si vous voulez, qui va être l'application, la façon d'appliquer la peinture. Donc oui, je fais du glacis, mais j'ai des zones. Admettons, j'ai une zone foncée ici, puis une zone claire là. Hein. Le glacis, lui, peut se faire avec un découpage net entre les deux. Puis là, on va faire du glacis, du glacis, du glacis, du glacis. Fait que là, le découpage net, il peut se déplacer un peu. Ça va créer un petit flou. OK ? Mais là, pour faire du sfumato, c'est la même chose. Je fais mon glacis, j'ai une partie foncée, une partie claire. Mais entre les deux, déjà, je les fonds. Je les fonds, OK ? Avec les doigts, avec un pinceau éventail, peu importe. On fait un fondu. La prochaine couche de glacis à cet endroit-là, qui va être à peu près, pas toujours au même endroit, c'est impossible d'être toujours au même endroit précisément. Bon, mais là, je fais encore toujours ce flou-là. Et encore, et encore, et encore, à chaque couche de glacis, c'est ça qui va créer le fameux sfumato de Léonard de Vinci, qui fait qu'on a une double action qui rend les contours flous. Un, le glacis. Deux, le fondu. L'un plus l'autre, ça va nous donner cette impression de fumée. Hein, sfumato qui veut dire fumée entre les zones claires, les zones foncées, donc entre les détails de la peinture. Voilà, c'est ça la technique du sfumato. Je ne suis pas encore rendu là dans la Joconde, dans la réalisation de la Joconde. Ça va commencer cette semaine, enfin la semaine qui vient, là, mardi normalement. C'était Annick, hein, voilà. Prenez soin de vous et de Linda, Annick, oui. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Tout le temps je reçois ça, prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention et tout. On vous retourne les mêmes recommandations, puis on vous retourne les mêmes souhaits, les mêmes vœux. On tient à vous, on vous aime beaucoup et puis on veut que garder le contact avec vous comme ça tout le temps. Portez-vous bien, soyez en forme. Vous êtes important pour nous. Elisabeth, j'aimerais bien une vidéo sur la vie et le sfumato. Ah voilà, tiens, c'est ça. C'est très beau, mais ça a l'air compliqué. Mais c'est ça, alors vous voyez, on m'avait déjà parlé, on m'a déjà demandé de faire, par exemple, avec les lavis, les glacis, hein. Ah là, c'est lavis et sfumato, ok. On m'a demandé de faire une vidéo avec les glacis style nature morte, style ancien. Ok, je vais commencer, je vais y penser à quand est-ce que je vais faire ça. Là, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à préparer. J'ai beaucoup de travail pour ma formation en ligne aussi, pour sortir des nouveaux cours. Là, on est en train de mettre en place le fameux e-book que j'attends. Bon, ben là, il est fini maintenant. On est en train de mettre en place les pages et tout ça, tout ça. C'est... On n'arrête pas, hein. C'est fou, hein. C'est pas la retraite, ça. Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on travaille là-dessus, sur essayer de mettre des nouveaux cours. On m'a demandé de mettre les nouveaux cours, peindre à la manière d'eux, les artistes peintres et tout. Donc, il y a beaucoup de travail, mais dès que je vais pouvoir, je vais faire une vidéo, des vidéos, comme ça, épisode, de toute façon, on va continuer, là. Peut-être une vidéo par jour ou deux, trois jours, selon le temps de séchage, où je vais faire une nature morte, style ancien. Alors la nature morte sera des sujets simples, hein, pour pas que ça complique trop, que ça rallonge trop les choses. Nature morte style ancien avec le lavis, le glacis, le sfumato. On va mettre tout ça dans le même tableau, puis comme ça vous allez voir tout plein de techniques. Ça c'est le projet des semaines à venir là. Donc ça c'était pour Elisabeth. Nico qui demande une vidéo sur les portraits. On va voir, on va essayer, mais vous savez, c'est long les portraits aussi, c'est beaucoup de travail de dessin. On va voir, oui, pourquoi pas, mais c'est toujours pareil, c'est une question de temps, et de temps pour faire tout ça, et de manque de temps que j'ai aussi, mais j'aimerais faire tout ce que vous voulez, j'aimerais bien, on va voir.
Sylvie qui dit bonjour Nelida, formidable vos cours au quotidien, merci. Vous envisagez de faire un cours sur le thème de la gouache? Questionnement, et de quelle façon pourrais-je me la procurer en dehors de la formation en ligne? Ok, bon, c'est sûr que... Donc, ok, je comprends la question. Donc la personne, donc Sylvie, vous aimeriez avoir une formation sur la gouache et comment l'obtenir si vous n'êtes pas inscrite à la formation en ligne. Bon, mais c'est ça, là aussi, dans les travaux qu'on doit faire, on doit sortir des cours comme ça à l'unité. Donc il y a l'aquarelle. Je viens de le faire, la gouache. Je viens juste de faire une première vidéo pour la gouache. Donc il faudrait que je continue à travailler là-dessus, que je fasse une deuxième, troisième, quatrième vidéo, que j'en ajoute. Et lorsqu'il y en a peut-être une dizaine de vidéos, de bonnes vidéos, je fais un cours et je vais le mettre en vente, comme ça, en vente à l'unité. Vous pourrez acheter seulement ce cours-là. Mais ça va prendre du temps, c'est sûr. C'est pas tout de suite. Je viens à peine de commencer, là. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous laisse voyager. On partirait avec Linda en voyage, comme c'était prévu d'aller au Mexique, où on a finalement annulé ce voyage. Là, j'avais prévu de faire au moins 4 ou 5 tableaux à la gouache, comme ça, sur le motif en extérieur. C'est ça qui est intéressant, d'utiliser ce genre de médium-là, la gouache, l'aquarelle, le crayon aquarelle. Lorsqu'on est dehors, on n'a pas besoin d'apporter beaucoup de matériel. C'est facile à transporter, c'est facile à réaliser sur place, comme ça, lorsqu'on fait des déplacements avec un tout petit sac à dos. C'est mieux que de... C'est sûr que c'est très bien de faire de la peinture à l'huile ou à l'extérieur ou à l'acrylique à l'extérieur, mais ça demande un peu plus de transport de matériel. Voilà, donc ça c'était la réponse à Sylvie. Serge qui dit « Bonjour René, je voulais finalement savoir si vous vendez vos peintures encore aujourd'hui et quel est votre parcours dans la peinture ?» Alors... Je vends des toiles, j'en vends de moins en moins parce que je ne travaille pas dans ce sens-là de vendre des peintures. Voilà, si on veut vendre des peintures en tant qu'artiste, eh bien, nous devons avoir une production de tableaux homogènes. Quelqu'un qui fait du portrait, il fait que du portrait. Le paysagiste, il fait que du paysage. Dans son style, toujours garder son style. L'artiste devient extrêmement perfectionné dans son style et son sujet. Il est connu pour ce qu'il fait et de la manière dont il le fait. Et lorsqu'il va s'exposer en symposium, en exposition corporative, tout ça, associative, s'il est en galerie, le public finit par le connaître et le reconnaître et il va vendre plus facilement ses toiles. Il va se créer sa petite liste de clients, de... comment on dit... mon Dieu, je cherche mes mots... Ça me reviendra. Oh mon Dieu. C'est pas grave. Donc, il y a des gens qui le connaissent, c'est eux qui vont lui acheter une toile, deux toiles, trois toiles, quatre toiles, cinq, dix, jusqu'à dix, des fois, même plus. Il y a des gens qui ont des clients comme ça. Et puis, comme ça, ils se font connaître. Alors, à partir du moment où ils vendent des toiles, ils rentrent un petit peu d'argent, ça leur permet de faire de la publicité là-dessus. Ils ont leur site pour ça, ils mettent des pages dans des magazines. Magasinard ici au Québec ou autre. Et mécène, voilà le mot que je cherchais, ils ont des mécènes. Et donc c'est une vie d'artiste qui produit pour vendre. Et c'est un fonctionnement qui font tourner et puis ça fonctionne bien, ça va. Pour certains, pour d'autres moins, mais c'est sûr qu'il faut, il faut que le temps passe et que tout ça rentre en place et qu'on se fasse connaître, etc., etc. Moi, j'ai abandonné ce parcours, ça fait des années. Regardez, jusqu'à 2010, voilà. Jusqu'en 2010, je n'avais pas de cours le samedi après-midi. Parce que j'avais un petit atelier, je prenais que les adultes. Et à midi, le cours, c'était la fin du cours, j'avais le reste du week-end, donc le samedi après-midi, le dimanche, de libre. Et là, je pouvais aller sur les expositions, symposium ou autre, là, du week-end qu'on appelle, je pouvais encore exposer. Mais à partir de 2010, on a commencé à donner des cours. Ah oui, puis l'été, tout l'été, j'étais libre, je n'avais pas de cours d'été. Donc, je pouvais parcourir les expositions pendant tout l'été, les symposiums, j'exposais tout le temps, donc je vendais. Puis en 2010, j'ai changé d'atelier, j'ai grossi, j'ai pris d'autres professeurs, on a commencé à faire les camps de jour pour les enfants l'été, donc je ne pouvais plus exposer l'été.
Et on commençait à donner des cours les samedis après-midi aux enfants aussi. Donc je n'avais plus mes samedis après-midi, j'avais juste les dimanches. C'est tout. J'ai un petit peu continué pour les expositions de week-end, mais l'été, c'était complètement fini. Donc j'ai arrêté d'exposer petit à petit comme ça. Je n'ai plus du tout exposé depuis peut-être 2010, 2011, 2012. Allez, des expositions de week-end, j'en ai fait peut-être encore jusqu'en 2015. Ben, ça fait 5 ans. Mais très peu, les expositions concours, on allait mettre une toile, là, c'est tout, là. Voilà. Mais par contre, j'ai gardé pendant longtemps, jusqu'à cette année, là, 2019, une compagnie d'assurance qui m'achète des toiles, qui me commande des toiles régulièrement pour mettre dans leurs agences et les féliciter lorsqu'ils ont atteint certains budgets, là, objectifs. Voilà, donc c'est ça, mais là aussi j'ai ralenti. Moi j'ai comme essayé de me faire oublier par eux, là, parce que j'ai plus le temps non plus de faire ça, j'ai pas le temps de peindre. Moi, s'il me vient une commande là, de l'assurance là, ça m'embête. Vous voyez, je suis rendu à ce point là parce que j'ai pas le temps. Alors non, je ne vends plus, quasiment là, puis je ne travaille plus dans ce sens là. Mais voilà, j'ai commencé à peindre en 1990. C'était mes premières touches de peinture, mes premières aquarelles. Puis je suis assez rapidement passé à l'huile pour essayer. Je savais même pas c'était quoi, comment ça se faisait. C'est ma première peinture à l'huile, je l'ai mise sous une vitre, ça a collé. C'était vraiment l'horreur. Je faisais des peintures que même mes plus débutants qui venaient à l'atelier, là, leur tableau à eux, ils étaient plus beaux. Vous voyez, c'était vraiment horrible. Commencer avec des livres, il n'y avait pas de vidéo à l'époque sur la peinture, tout ça, juste des livres. Et puis, petit à petit, ben c'est ça, le fait d'en faire, on s'améliore. Hein. Juste de pratiquer, on s'améliore. J'apprenais quelques règles avec les livres. Et puis, j'ai, on va dire, été autodidacte. Je tripotais un petit peu la peinture comme ça, sans avoir de bons résultats. Jusqu'en 2000, voilà, de 1990 en 2000. Pendant 10 ans, j'en faisais très peu aussi. Mais j'avais quand même une très bonne capacité en dessin. C'était comme naturel. Mais quand j'ai commencé à suivre des cours avec des professeurs, des artistes, dès que j'ai eu les indications comme quoi il fallait, mettons, je ne sais pas, moi, dans les ombres, mettre des couleurs froides et des chaudes dans les lumières, tu sais, des bases très basiques, des petits trucs comme ça, je dis, ah ben là, mes peintures ont changé énormément. Tu sais, quand j'ai su qu'il fallait faire une couche plus floue en arrière et puis plus nette dessus, qu'il fallait pas aller mettre autant de détails, qu'il fallait simplifier, qu'il fallait... Tu sais, tout ça, là, dès que j'ai rajouté ces connaissances techniques à ma façon de peindre qui était très novice, comme j'avais peint depuis longtemps, j'avais la maîtrise du pinceau, j'avais la maîtrise des mélanges de couleurs, ça s'était venu assez rapidement aussi. Donc j'ai progressé très vite. Vous voyez, en 2000, j'ai commencé à suivre des cours. En 2004, j'en donnais. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et ça, c'est comme ça que j'ai progressé. Puis il faut dire aussi que j'ai peint beaucoup, beaucoup. Puis en donnant des cours, bien, on apprend énormément. Je le disais en plaisantant à mes élèves, j'apprends de vos erreurs, mais c'est vrai. Hein, parce que les élèves, lorsqu'ils font des erreurs, moi je vais corriger, et puis en corrigeant, ça me confirme que c'est ça qu'il faut faire, ça me confirme que c'est de cette manière-là, puis je le fais sur le tableau un petit peu, fait que ça me fait pratiquer aussi, veux pas, petit à petit, année après année, dizaines d'élèves après dizaines d'élèves, puis centaines après centaines, c'est comme ça que la progression est extrêmement forte et rapide. C'est exponentiel par rapport au le nombre d'heures de peinture que j'ai dû faire dans ces années-là, ces 10 dernières années, c'est énorme. Ça, c'était, mon Dieu, je ne sais plus. Je ne sais plus. Excusez. Ah voilà, j'étais là, oui. Ok. Ça, c'était la question de Serge. Bon, merci beaucoup, Serge. Alors, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais devoir arrêter là. Attendez, il y a des choses sur la technique du tableau d'hier, parce que si je parle de ça demain ou après-demain, ça va être trop loin, ça ne rappellera plus.
Concernant la technique de votre tableau, ok. Oui, c'est ça, Isabelle qui dit concernant la technique de votre tableau, on parle encore des roses au glacis. J'ai toujours entendu dire que le glacis ne pouvait être utilisé qu'après avoir appliqué au moins une couche de peinture opaque. Oui, c'est ça, oui, effectivement, parce que le glacis est transparent. S'il n'y a rien en dessous, ça n'agira pas bien. Il faut au moins, oui, effectivement, une peinture opaque en dessous, c'est-à-dire qu'on met les pâles, les foncés, aux bons endroits, de manière à ce que les glacis, de suite, après, par-dessus, vont apporter la couleur et un petit peu renforcer ces pâles et ces foncés. Mais oui, il faut quand même une couche d'opacité en dessous, ça, c'est certain. Je regarde s'il y a d'autres questions concernant les peintures que j'ai montrées hier. Julie qui demande, bonsoir René, un glacis en acrylique requiert-il obligatoirement du médium? Diluer simplement la peinture avec de l'eau ne dilue pas les pigments de manière assez homogène, si j'ai bien compris. Existe-t-il une recette maison ou un diluant simple à trouver à la maison, étant donné qu'on est confiné? Moi je vous dirais, si vous avez du médium acrylique ordinaire, du médium acrylique qui n'est pas du médium à glacis, vous pouvez l'utiliser quand même pour faire des glacis. Voilà, il est un petit peu plus blanc, il est un petit peu moins fluide. Peut-être mélanger un petit peu de médium et d'eau légèrement, ou du médium à fluide pour les détails qui existent aussi. Si vous en avez, ça pourrait peut-être remplacer le médium à glacis pour l'acrylique. Là, on parle pour l'acrylique. Si vous êtes en peinture à l'huile et que vous n'avez pas de liquin, vous pouvez diluer avec de l'huile, comme le faisaient les anciens. Juste de l'huile, mais ça va être très long à sécher. Trois couleurs. Ok, ça concerne les couleurs. Je vais le garder pour demain. Il y en a tellement. Écoutez, je pense qu'il y a... Il y en a 5 par page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une vingtaine de questions au total. On va garder ça pour demain. Ça aussi. Ah, ça, j'ai même pas été. Cette question, j'ai pas été voir de quoi on parlait. Je vais regarder ça. Oui, ben c'est ça, je pense que tout ça, les autres questions, il y en a plusieurs là. Je vais les garder pour demain parce que sinon, sûrement qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter aujourd'hui, auxquelles je vais répondre demain. Alors demain, on va être confiné, donc il n'y aura pas de problème. On va être confiné par la pluie. donc voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit pour aujourd'hui. Alors vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu, tantôt, il y avait des oiseaux, il y a des mangeoires en arrière, je les entendais ici aussi. On a les mésanges à tête noire qui ne sont pas très farouches, qui s'approchent beaucoup. La mangeoire est quand même assez loin. On a les gibbes bleus qui viennent, là, je ne sais pas si je n'en ai pas entendu aujourd'hui. On a les cardinaux rouges qu'on commence à entendre chanter. On n'a pas entendu les oies pendant ce petit tournage, mais juste avant, il est passé des oies au-dessus aussi, là. C'est bien d'être dehors et d'entendre la nature comme ça. Bon, c'est sûr, il y a le boulevard derrière avec le bruit des autos, il y a les voisins qui bricolent aussi, mais c'est quand même agréable d'être dehors quand on le peut. J'ai vu qu'en France aussi, il y a des petites activités qui se font sur les balcons, dans les villes, c'est bien, c'est intéressant. Ici aussi, on a vu aux informations, là au Québec, pour les résidences de personnes âgées qui ne peuvent pas sortir du tout, il y a sur le parking en bas des animateurs qui s'installent avec des gros haut-parleurs bien forts et puis qui vont faire un petit peu de la gymnastique en musique aux personnes âgées. C'est bien. Il se crée comme ça de nouvelles activités qui n'existaient pas avant, qui sont vraiment chaleureuses. Tu sais, ça fait vraiment chaud au cœur, puis ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien et de plaisir à tout le monde. Et j'espère aussi donc qu'on vous procure aussi du plaisir avec ces petites vidéos-là toujours. En tout cas, ça a l'air d'être confirmé par vos commentaires. Merci beaucoup. Donc, je vous retrouve demain dimanche, journée pluvieuse, pour une autre vidéo.
Portez-vous bien, faites attention à vous, soyez en forme et à demain. Bye bye.